مشاهدينا متتبعين على شاشة الوطنية الثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الكل في موعد جديد من دروس بكالوريا 2011. مرحبا بكل تلامذتنا القاعدين يشاهدوا فينا، إن شاء الله تكونوا تويك أخذتوا قايتكم كالعادة من 5 لـ6 باش تقعدوا معنا وتشوفوا معنا درس جديد. أكيد العديد من الأسئلة تنجموا تطرحوها علينا، تنقل لكم أرقام الهاتف ومجموعة من الأساتذة الأكفاء حاضرين معنا للإجابة على أسئلتكم. اليوم الدرس إن شاء الله باش يكون في مادة علوم الحياة والأرض، أرقام الهاتف نتاعنا 71 800 814 و 71 280 0 89. نعاود أرقام الهاتف 71 800 814 أو 71 280 0 89. أكيد فما مجموعة من الأساتذة حاضرين لاستقبال المكالمات الهاتفية، مجموعة من الأساتذة للإجابة عن هذه الأسئلة. نبدأ بالترحيب بالأساتذة الحاضرين معنا اليوم. نبدأ على يساري بسي محمد التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. السيدة فاتن بسباس مسمودي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. على يميني السيدة سندس الشاوش والسيد عادل الرحوي، هذو مجموعة الأسئلة الحاضرين معنا في الأستوديو الداخلي. في الأستوديو الموازي موجودة معنا السيدة خولة البجاوي والسيدة هاجر بن عياد، الأسئلة موجودين لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. نذكركم بأرقام الهاتف مرة أخرى 71 800 814 71 280 0 89. ونبدأ معك أنت سي محمد في كلمة البداية، تفضل. Bon, cher candidat au bac, bonjour. Je vais commencer par vous présenter le sujet du baccalauréat pour les quatrièmes sciences expérimentales et les quatrièmes années sciences maths. Pour les quatrièmes années sciences expérimentales et les quatrièmes années maths. Pour les quatrièmes années sciences expérimentales, le sujet comprend deux parties. Une première partie qui porte sur 8 points et qui fait appel à une restitution des connaissances. Elle est présentée généralement sous forme de QCM ou et de croc. Et pour la deuxième partie, notée généralement sur 12 points, et qui fait appel à une mobilisation et une utilisation des connaissances pour résoudre des problèmes scientifiques. Bon, pour la première partie, c'est la partie qui est sur 8 points, la partie de restitution des connaissances, elle comprend généralement un QCM et ou un croc. Pour le QCM, il faut toujours faire attention, il faut bien lire la consigne et relier le tronc de l'item avec les propositions pour que la phrase retenue exprime une notion déjà étudiée en cours. Exemple, chez la femme, la fécondation aboutit à l'émission du deuxième globule polaire. Alors, je reprends le tronc. Chez la femme, la fécondation aboutit à l'émission du premier globule polaire. Chez la femme, la fécondation aboutit à la reprise de la deuxième division réductionnelle. Et chez la femme, la fécondation aboutit à la reprise de la division équationnelle. Donc, chaque fois, on reprend le tronc pour que la phrase ait un sens. Alors, il ne faut pas donc lire seulement les propositions et oublier le tronc de l'item. Pour la quatrième année maths, le sujet comprend deux parties, notées chacune sur 10 points. Une première partie qui fait appel toujours à la restitution des connaissances et une deuxième partie notée sur 10 points aussi et qui fait appel à une utilisation des connaissances pour analyser un document, un graphe, une courbe, un tableau et qui est donc notée sur 10 points. Voilà. Donc on attend vos questions. شكرا لك سي محمد. إذا هذه كلمة فيها تعرفتوا على سير الامتحانات وكيفاش تكون وضعية الامتحان بالنسبة لهذه الشعب. ونمشي هو في استقبال الأسئلة مع سيدة خولة الجاوي. سيدة خولة تعطينا السؤال. Alors pour la première série de questions, première question, expliquez le mécanisme hormonal de l'ovulation. Et la deuxième question, quelle est l'origine des menstruations? هذوما الأسئلة إذن اللي توردوا علينا عبر أرقام الهاتف. معك سيدة سندس، نبدأ في الإجابة على السؤال الأول، تفضل. D'accord. Donc on va essayer de considérer au cours d'un cycle sexuel chez une femme qui dure en moyenne 28 jours. Je vais essayer de voir donc la détermination hormonale donc de l'ovulation. Alors comme vous voyez ici, on va essayer de voir que au cours de ce cycle, le début de ce cycle est caractérisé par une augmentation de l'hormone hypophysaire, la FSH, qui va stimuler au niveau de l'ovaire la croissance des follicules tertiaires, dont un seul atteint le stade mûr, et d'autre part, ça va permettre de stimuler la sécrétion de l'œstradiol, qui va permettre par la suite d'atteindre environ, là, vers le 12e jour du cycle, on constate un pic de sécrétion qui est caractérisé par
par une augmentation donc de cette dose qui va exercer un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et on observe là une sécrétion d'un pic de LH et de FSH responsable du déclenchement de l'ovulation, c'est-à-dire l'éclatement du follicule qui a atteint le stade mûr et donc l'expulsion du gamète femelle dans les voies, les trompes. Donc, et là, donc je résume que la forte dose, comme vous voyez là, de l'œstradiol vers le 12e jour qui est sécrété par le follicule dominant, c'est elle qui va exercer ce rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. La réponse, on va avoir un pic de LH qu'on appelle aussi une décharge ovulante avec le pic de FSH responsable donc du déclenchement de l'ovulation. Donc c'est ça la réponse à cette question. Mais comme vous voyez ici, au cours de ce cycle, par la suite, au niveau de l'ovaire, le follicule éclaté donc sera transformé en corps jaune et il va continuer à sécréter pendant la phase lutéale les deux hormones, l'œstradiol et la progestérone. Et à la fin du cycle, donc le corps jaune va régresser. Donc voilà, j'espère que la réponse donc a été bien claire. Donc là, par la forte dose et le rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire avec le pic de LH et le pic de FSH. Mm-hmm. Donc je vais laisser maintenant la réponse à la deuxième question. تفضل سي عادل جاوبنا على السؤال الثاني المطروح علينا من طرف تلامذة على السيدة خولة الجاوي اعطتنا بكري شوية السؤال D'accord. Donc, concernant le mécanisme de la menstruation, je vais reprendre un peu ce qu'a dit ma collègue Sondes. Donc, pendant la menstruation, vous avez là des doses très faibles d'œstrogène et de progestérone. Par la suite, il va y avoir une reprise du cycle ovarien avec augmentation et variation des différentes hormones. Par la suite, vous voyez là que donc, une semaine après l'ovulation, il va y avoir formation du corps jaune. Le corps jaune sécrète de fortes doses de progestérone et d'œstrogène. Par la suite, et en même temps plutôt, la progestérone et les œstrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. La conséquence est la chute des taux de FSH et de LH dans le sang. Et à partir de la deuxième semaine, il va y avoir une diminution du taux de progestérone et d'œstrogène. Cette chute-là est à l'origine des menstruations observées au niveau de l'utérus. Rappelons que, à part la menstruation, il va y avoir ici ce qu'on appelle une levée d'inhibition exercée par la progestérone et les œstrogènes. Cette levée d'inhibition va permettre la reprise d'un nouveau cycle. شكرا لك سي عادل يعطيك الصحة على الإجابة إذن باش نواصلوا مع بعضنا نذكركم بأرقام الهاتف مرة أخرى للتلامذة القاعدين يشاهدوا فينا 71-800-814 71-280-089 ونمر مباشرة باش ناخذوا زوز أسئلة الموالين مع السيدة هاجر بن عياد Alors les questions qui reviennent le plus souvent concernent d'une part le mode d'action de la pilule combinée et d'autre part les conditions et les étapes de la fécondation. هذوما جزء أسئلة اللي وردوا علينا سيدة فاتن تتفضل بالإجابة السؤال الأول على السؤال الأول طبعا وسي محمد التونسي باش يجاوبنا على السؤال الثاني إن شاء الله تفضل Alors donc le mode de contraception que les élèves posent c'est concernant l'action de la pilule combinée donc la pilule combinée assure une contraception chimique la pilule combinée est prise, alors grâce bien sûr à la présence de deux hormones de synthèse, l'œstrogène et la progestérone, cette pilule œstroprogestative est prise à raison de un comprimé par jour pendant 21 ou 22 jours du cycle, et ce à partir du premier jour. Alors quelle est son action ? Donc la première action de cette pilule s'exerce au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. La pilule combinée, grâce aux hormones de synthèse œstrogène et progestérone, exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui va freiner la sécrétion de l'hormone hypothalamique, la GnRH, d'une part, et par conséquent, donc, la sécrétion des hormones hypophysaires, les gonadostimulines, FSH et LH. Alors, quelle est la conséquence de ce rétrocontrôle négatif ? Alors, ce rétrocontrôle négatif, au niveau de l'ovaire, donc en absence de FSH, la croissance folliculaire va
s'arrêter. Donc, il y a blocage de la folliculogénèse. Alors, en absence de LH également, il n'y aura pas d'ovulation. Et par conséquent, l'ovaire va être mis au repos et ne sécrète plus ses hormones sexuelles, la progestérone et l'œstrogène. Donc, la pilule présente également une autre action qui s'exerce sur l'utérus. Au niveau de l'endomètre, elle stimule un endomètre, elle stimule une prolifération continue d'un endomètre, mais qui est impropre à l'anidation. Ça, c'est son action antinidatoire. Et également, elle exerce une action sur la glaire cervicale qu'elle rend aussi imperméable aux spermatozoïdes. Alors, si on résume, donc la pilule combinée bloque l'ovulation par son rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Premier niveau de verrouillage. Deuxième niveau de verrouillage, s'exerce au niveau de la glaire cervicale, donc elle va empêcher la rencontre des gamètes. Et le troisième niveau de verrouillage, c'est son action antinidatoire par son action sur l'endomètre. Mm-hmm. J'espère avoir répondu à la question. شكرا ليك ان شاء الله تكون الاجابه واضحه بالنسبه للكلام اللي قاعدين يشاهدوا فينا فقط حبيت تحيه سي علي تريعه متفقد المدارس الاعداديه والمعاهد اللي حاضر معنا في الكواليس والاستاذ سامي رابح حاضرين معنا للاشراف على حسن سير الدروس. اذا نمر مباشره لمجموعه الاسئله المواليه مع السيده خوله الجاوي. Il y a une question. Vous êtes encore jeune, madame. Mm-hmm. La deuxième question concerne les étapes et les conditions de la fécondation. Bon, on va commencer tout d'abord par les étapes de la les conditions de la fécondation. Alors, les conditions de la fécondation, donc, pour avoir une fécondation, il faut avoir un sperme normal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sperme normal? Un sperme normal du point de vue volume. Un volume compris entre 3 et 4 ml par éjaculation, un pH alcalin et une viscosité facilitant la mobilité des spermatozoïdes, une numération supérieure à 20 millions par millilitre, des spermatozoïdes capacités, c'est-à-dire qui sont capables à faire la fécondation, et de voies génitales femelles chez la femme, saines et perméables. Bien sûr, il faut aussi un rapport sexuel pendant la période de fécondité qui s'étend du 9e au 16e jour du cycle et qui est en rapport avec la durée de vie des gamètes qui sont à peu près de 72 heures pour le gamète mâle et de 48 heures pour le gamète femelle. Donc le rapport sexuel pendant cette période va favoriser les chances d'une éventuelle fécondation. Alors si toutes ces conditions-là sont réunies, on peut alors avoir une fécondation. Alors les étapes de la fécondation, donc on peut le résumer schématiquement. Bien sûr, la fécondation, c'est un phénomène continu, d'accord, mais nous, on va le présenter sous forme d'étapes. Alors la première étape, il va y avoir la présence d'un ovocyte qui est le gamète femelle au niveau de la trompe. Alors la présence de cet ovocyte donc va être donc la première étape. Ensuite, il va y avoir l'arrivée des spermatozoïdes à partir donc de l'utérus et vers la trompe, vers le un tiers supérieur de la trompe. Alors, ces spermatozoïdes vont se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau de la zone pellucide et il va y avoir une réaction acrosomiale. Alors, cette réaction donc, acrosomiale donc, va entraîner la libération donc, par les spermatozoïdes au niveau de l'acrosome des enzymes qui vont provoquer la lyse des parois de l'ovocyte et permettre la pénétration d'un seul spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Alors, la pénétration de ce spermatozoïde entraîne immédiatement une réaction corticale, c'est-à-dire l'éclatement des granules corticaux que vous voyez là, donc au niveau du cytoplasme de l'ovocyte. Et l'éclatement de ces granules corticaux libère des enzymes qui hydrolysent les récepteurs des spermatozoïdes. Et de cette façon-là, on garantit donc la monospermie. Alors, l'ovocyte va aussi reprendre sa vie physiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir reprise de la méiose. Et cette reprise de la méiose va entraîner l'émission d'un deuxième globule polaire à N chromosome. On aura donc un ovotide à N chromosome et un spermatozoïde à N chromosome. Les deux noyaux à N chromosome haploïdes donc vont fusionner et on aura donc ce qu'on appelle la karyogamie. Alors la karyogamie aboutit à la formation d'un œuf à deux N chromosomes. Alors la formation de l'œuf à deux N chromosomes qui va être donc le premier stade de la vie embryonnaire. Donc, au niveau de l'utérus de la femme. Alors, si on récapitule sur ce schéma, alors nous avons là, premier stade, ovocyte 2,
rencontre de gamètes, réaction acrosomique et pénétration d'un spermatozoïde, ensuite réaction corticale qui empêche la pénétration d'autres spermatozoïdes et favorise la monospermie, et enfin la karyogamie, c'est-à-dire la fusion de deux noyaux, mâle et femelle, pour la formation d'un œuf à deux N égale 46 chromosomes pour l'espèce humaine. فوالا شكرا لك استاذ يعطيك الصحه على الاجابه اذا تو باش نمروا معنا لمجموعه الاسئله المويليه مع السيده خوله الجوي une autre série de questions donc posées par les élèves expliquer le mécanisme de la coordination des muscles antagonistes au cours d'un réflexe myotatique deuxième question citer les différents types de canaux ioniques et la troisième question une analyse d'un potentiel d'action شكرا لك أستاذة إذن باش يكونوا معنا في الإجابة أولا السيدة فاتن بسبس مصمودي ثم الأستاذ عادل الرحبي والأستاذة سندس الشاوش تفضل أستاذة Alors tout d'abord on rappelle ce que c'est que le réflexe mutatique c'est la contraction d'un muscle suite à sa propre stimulation Alors ce réflexe myotatique nécessite une coordination entre les muscles antagonistes. Par exemple, dans ce cas, nous avons deux muscles antagonistes de la cuisse. L'un est le muscle extenseur, l'autre c'est le muscle fléchisseur. Alors cette coordination musculaire nécessite ou s'explique plutôt par une innervation réciproque. Donc ce réflexe myotatique met en jeu les éléments anatomiques suivants. Nous avons donc des fuseaux neuromusculaires qui sont noyés dans le muscle. Nous avons une voie afférente sensitive formée par les fibres sensitives 1A. Nous avons un centre intégrateur qui est la moelle épinière. Et nous avons des voies motrices qui renferment les fibres, les motoneurones alpha. Et également, donc, bien évidemment, les effecteurs qui sont le muscle étiré et son antagoniste. Alors, si maintenant nous portons un coup au niveau de la rotule, alors ce coup entraîne un étirement du muscle extenseur et la naissance d'un message nerveux au niveau de la fibre sensitive 1A suite à une transduction au niveau du fuseau neuromusculaire. Ce message nerveux afférent se propage le long de la fibre sensitive 1A arrive au niveau du centre intégrateur, qui est la moelle épinière, et exerce simultanément deux actions antagonistes. Alors, une action de stimulation de la fibre motrice, c'est-à-dire du motoneurone alpha, du muscle étiré, et une inactivation ou une inhibition du motoneurone alpha, du muscle antagoniste, qui est le muscle fléchisseur, par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur. Conséquence, ce message nerveux moteur, bien sûr, arrivé au niveau du muscle étiré, va entraîner sa contraction. Alors, au niveau du muscle antagoniste, l'inactivation du motoneurone alpha entraîne une chute de son tonus musculaire et par conséquent, son relâchement. Alors, quel est l'intérêt de la coordination musculaire? Cette coordination entre les muscles antagonistes assure le mouvement de flexion de la jambe. D'accord? Alors, si je reviens à l'innervation réciproque, l'innervation réciproque est formée par deux circuits neuroniques, un circuit monosynaptique excitateur, formé donc par une fibre sensitive 1A, un motoneurone alpha, qui sont reliés au niveau d'une synapse excitatrice. Un deuxième circuit nerveux, c'est un circuit polysynaptique inhibiteur, formé toujours par la même fibre sensitive 1A, l'interneurone inhibiteur, articulé avec la fibre sensitive par une synapse excitatrice, et un motoneurone alpha du muscle, bien sûr, antagoniste, qui est relié à l'interneurone par une synapse inhibitrice. شكرا لك أستاذة. إذن نطلب تذكير بالسؤال الثاني من السيدة خولة الجوي. Deuxième question, c'est citer les différents types de canaux ioniques. سي عادل, إذن نقوم بالإجابة. Donc, vous avez là devant vous, sur la diapositive, un neurone. Le neurone est une cellule nerveuse adaptée à sa fonction. Vous avez
Donc, au niveau de la fibre nerveuse ou bien au niveau de toute la membrane de la cellule, trois types de canaux. Il y a des canaux de fuite, il y a des canaux chimio-dépendants, il y a des canaux voltage-dépendants. Les canaux de fuite sont des canaux qui sont en permanence ouverts, permettant donc les échanges à travers la membrane des différents, de deux différents canaux, de différents ions plutôt, qui sont Na+ et K+. Par la suite, lors de la stimulation de la fibre nerveuse, d'autres types de canaux qui vont être qui vont entrer en jeu, ce sont les canaux voltage dépendants. Il y a deux types de canaux voltage dépendants. Il y a ce qu'on appelle les canaux voltage dépendants à Na+. Ces canaux s'ouvrent lors d'une DDP égale à moins 50 millivolts et permettent l'entrée de, des ions Na+. Par la suite, lorsque la DDP atteint plus 30 millivolts, il y a d'autres types de canaux appelés les canaux voltage dépendants à K+, permettant la sortie des ions K+ à travers la membrane. Ces canaux donc, permettent la naissance et la propagation du PA. Au niveau du bouton synaptique, on va avoir d'autres types de canaux appelés les canaux voltage dépendants à SIA2+. Ces canaux voltage dépendants à SIA2+ permettent l'entrée d'autres ions qui sont les ions SIA2+ à l'origine de la transmission synaptique. Sur la membrane postsynaptique, il y a d'autres types de canaux qu'on appelle les canaux chimio-dépendants. Donc, les canaux chimio-dépendants, il y a des canaux chimio-dépendants qui sont donc ouverts lorsque un neurotransmetteur est fixé sur ces canaux-là. Il y a des canaux chimio-dépendants permettant la sortie des ions K+ ou bien l'entrée des ions Cl- à l'origine de l'hyperpolarisation de la membrane. Et il y a d'autres types de canaux qu'on appelle les canaux chimio-dépendants à Na+. Ces canaux chimio-dépendants s'ouvrent aussi à partir de neurotransmetteurs excitateurs permettant l'entrée des ions Na+ à l'origine de la naissance des potentiels postsynaptiques excitateurs. Donc, je résume. Il y a trois types de canaux. Il y a les canaux de fuite qui sont ouverts en permanence. Il y a des canaux, et ces canaux sont localisés sur toute la membrane de la cellule nerveuse. Il y a des canaux voltage dépendants à Na+ et à K+. Ces canaux sont localisés sur la membrane de la fibre nerveuse. Ces canaux s'ouvrent lorsque la fibre est stimulée. Par la suite, au niveau du bouton synaptique, il y a d'autres types de canaux voltage dépendants qu'on appelle les canaux ACA2+. Ces canaux ACA2+ sont à l'origine de la transmission synaptique. Et à la fin, il y a des canaux chimio-dépendants qui sont localisés sur la membrane postsynaptique. Ces canaux chimio-dépendants sont à l'origine soit de la naissance des PPSE, soit de la naissance des PBSI. Ce sont les canaux chimio-dépendants à K+, ou à Cl- ou à Na+. Voilà. شكرا لك سي عادل يعطيك الصحة على الإجابة إذا سيدة خولة جاوبت ذكرنا بالسؤال الثالث وسيدة سانتوس شاوبت أكيد تقوم بالإجابة toujours dans le même thème de la neurophysiologie c'est l'analyse d'un potentiel d'action d'accord سيدة سانتوس وكنت تعدى من هوني لو كنت تسمح Bon, je rappelle tout d'abord que le potentiel d'action représente le signal élémentaire d'un message nerveux qui va être obtenu donc, à la suite d'une stimulation efficace d'une fibre nerveuse et que cette fibre nerveuse, à l'état de repos, comme vous voyez là, elle est dite polarisée, ça veut dire qu'elle va présenter une différence de potentiel qui est de l'ordre de moins 70 millivolts, donc où on observe que l'extérieur, il va être représente électropositif et l'intérieur est électronégatif. Donc lorsqu'on a introduit l'électrode à l'intérieur de l'axone, on a constaté qu'il y a une donc négativité interne que nous avons représentée par la différence de potentiel à travers la membrane là entre le milieu extérieur et le milieu intérieur par cette valeur de moins 70 millivolts. Alors lorsqu'on demande là d'analyser un potentiel d'action. Donc, on va essayer de représenter la courbe du potentiel d'action et par la suite d'indiquer les différentes phases sur la courbe, donc de où on va mentionner. Au début, quand vous voyez là, on va observer à la suite de cette stimulation donc, qui est efficace, au niveau de cette zone, il va y avoir une variation donc là, du potentiel de repos par une phase que vous observez là, une phase ascendante, où la négativité interne, elle va diminuer pour
par la suite s'annuler, ça veut dire qu'elle va égaliser celle du milieu extracellulaire. Ensuite, elle va s'inverser en positivité et atteindre plus 30 à peu près millivolts. Là, donc on va dire que la première phase là, ça sera cette phase qu'on appelle la phase de dépolarisation et d'amplitude environ, c'est 100 millivolts, de moins 70 à plus 30 millivolts. Par la suite, la deuxième phase, donc ça sera la phase dite de repolarisation. Donc là, c'est la phase de dépolarisation. Maintenant, on observe que la négativité interne, elle va retrouver sa valeur donc initiale et atteindre la valeur de la moins 70 millivolts. Mais on remarque là que vous avez déjà ici, vous constatez que l'intérieur devient de nouveau chargé négativement. Maintenant, on constate que par la suite, il va y avoir une légère augmentation de la négativité interne qu'on va appeler, donc ça sera cette phase, ce segment, qu'on appelle une hyperpolarisation. Donc là, on a bien mentionné les différents segments donc, qui représentent les différentes phases du potentiel d'action et on a précisé la variation donc, de la négativité interne là, par rapport à notre fibre nerveuse, sans entrer dans le détail de l'origine donc, de chaque phase. شكرا لك أستاذة يعطيك الصحة نذكركم بأرقام الهاتف نتاعنا 71-800-814 أو 71-280-089 ونمر لمجموعة الأسئلة الموالية مع سيدة هاجر بن عياد. Alors les élèves posent des questions sur l'origine du potentiel de repos et du potentiel d'action ainsi que sur le rôle intégrateur d'un neurone postsynaptique. بالنسبة للسؤال الأول سي محمد التونسي تفضل بالإجابة السؤال الثاني سيدة صندوس. C'est une seule question en principe. Au niveau, donc, je vais reprendre ce qu'a dit Mme Sondes, Mme Chaouch. Elle vient de parler de l'analyse d'un potentiel d'action. Et elle a montré que ce potentiel d'action comprend trois phases, qui sont la phase de dépolarisation, la phase de repolarisation et la phase d'hyperpolarisation. Pendant le potentiel de repos, tout d'abord, au niveau de la membrane, existent des canaux qui sont des canaux de fuite. Ces canaux-là sont des canaux de fuite pour Ana+, et pour K+. Au repos, ces canaux sont ouverts et permettent donc le passage des ions selon les gradients de concentration, c'est-à-dire pour les ions de Ana+, qui sont beaucoup plus concentrés dans le milieu extracellulaire, vont passer vers le milieu intracellulaire. Et pour les ions K+, vont passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Alors, ce passage donc va entraîner une entrée de ions Ana+ vers le LIC, le liquide intracellulaire, et le K+ vers le LEC. On va avoir un deuxième mécanisme de transport. Ce mécanisme-là, c'est un transport passif. Un deuxième mécanisme de transport qui est le transport actif, matérialisé sur le schéma ici par une pompe qu'on appelle pompe à sodium-potassium. Alors cette pompe-là va fonctionner pour chasser le Na+ vers l'extérieur contre le gradient de concentration et faire pénétrer le K+ vers le milieu intracellulaire contre le gradient de concentration. Alors si on voit cette pompe-là, donc vous voyez ici la pompe Na+, K+. Alors la pompe va donc faire sortir le Na+ contre le gradient de concentration et en même temps, elle va faire entrer les ions K+ contre le gradient de concentration. Cette pompe maintient donc une différence de concentration entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire, ce qui explique cette DDP de moins 70 millivolts qui est le potentiel de repos. Maintenant, si on porte une excitation efficace sur la fibre nerveuse. Alors, si on porte une excitation efficace sur la fibre nerveuse, alors, si on porte une excitation efficace vers la fibre nerveuse, on va passer à la diapositive suivante qui parle du potentiel d'action. Alors, en plus des canaux de fuite et de la pompe à sodium-potassium, comme on vient de l'expliquer, c'est Rahoui, il existe des canaux dits canaux voltage dépendants. Ces canaux sont de deux types. Alors, il y a des canaux voltage dépendants à K+, et des canaux voltage dépendants à K+, qui sont fermés au repos. Alors ces canaux voltage dépendants vont s'ouvrir donc lorsque la DDP de la membrane atteint une certaine valeur. Alors la première valeur, c'est la valeur de moins 50 millivolts qui permet l'ouverture des CVD à Na+. L'entrée massive de ces ions va entraîner donc la phase de dépolarisation. Et cette entrée massive va entraîner donc une phase de dépolarisation qui atteint d'emblée plus 30 millivolts.
Alors, à cette valeur de la DDP, à plus 30 millivolts, il va y avoir fermeture des CVD à Na+, et ouverture des CVD à K+, comme vous êtes en train de voir sur votre écran. Alors, cette fermeture des CVD à Na+, et l'ouverture des CVD à K+, va entraîner alors une sortie de K+. La sortie de K+, à travers ces CVD, entraîne la phase de repolarisation. Et si ces CVD restent ouverts quelques temps supplémentaires, il y aura alors une sortie supplémentaire de quelques millimoles de K+, à l'origine de l'hyperpolarisation. Arrivé à moins 70 millivolts, les deux canaux voltage dépendants sont de nouveau fermés et on revient au potentiel de repos de moins 70 millivolts. Voilà, alors en ce qui concerne l'origine ionique du potentiel de repos et du potentiel d'action. Donc l'élève doit faire la différence entre analyser un potentiel d'action, ce que vient de faire Mme Marichaouch, et expliquer l'origine ionique d'un potentiel d'action. À ce moment-là, il doit parler de l'origine ionique en parlant donc des CVD qui sont fermés au repos. Voilà. شكرا لك استاذ اذا ساده سمتشاش تفضل بالاجابه على سؤال الموالي je vais expliquer l'intégration du neurone postsynaptique. Alors tout à l'heure on a expliqué les différents types de canaux ioniques et on a indiqué que au niveau de la membrane postsynaptique il va y avoir la présence des canaux chimio-dépendants, donc qui vont permettre par la fixation d'un type de neurotransmetteur, par exemple excitateur, de dépolariser la membrane postsynaptique, donc et d'engendrer un potentiel postsynaptique excitateur, soit donc par la fixation d'un type de neurotransmetteur inhibiteur, il va y avoir par conséquence au niveau du neurone postsynaptique une hyperpolarisation. Alors, on remarque là qu'un neurone reçoit tout le temps, à tout instant, des informations donc différentes, qui sont sous forme de PPS. Alors, son rôle, c'est d'intégrer toutes ces informations donc par ce qu'on appelle la sommation donc algébrique, qui peut être donc soit des PPS successives venant de la même voie, soit donc des PPS donc provenant de plusieurs voies afférentes, comme vous le voyez ici. Alors là, on va parler de sommation qui est dite spatiale. Alors, c'est-à-dire que si on va exciter simultanément les différentes voies donc présynaptiques, on va constater que à ce moment-là, il va y avoir au niveau de ce neurone postsynaptique la naissance, comme vous le voyez là, selon le type de la synapse, c'est-à-dire de ce neurone présynaptique. Soit un PPSE, ça veut dire c'est une synapse excitatrice, soit un PPSI, c'est une synapse inhibitrice, PPSE et PPSE. Alors, toutes ces réponses-là vont se propager et arriver au niveau du cône axonique. Donc, ce neurone va faire l'intégration, ça veut dire la somme algébrique de ces réponses. Et là, la résultante va donner un potentiel postsynaptique qui est global. Alors, si la condition de naissance de message nerveux est atteinte, c'est-à-dire que le potentiel postsynaptique global est un PPSE qui atteint la valeur du potentiel seuil, à ce moment-là, il va y avoir naissance d'un potentiel d'action. Lequel potentiel d'action se propage le long donc, du neurone. Et là, on a dit que ce neurone a réalisé la sommation spatiale de tous les PPS unitaires. D'accord ? Alors, on peut avoir un autre type de sommation, c'est-à-dire une sommation, comme je viens de le préciser, c'est une sommation dite temporelle, c'est-à-dire qu'on va exciter une seule voie présynaptique. Là, par exemple, on commence par exciter cette voie et on va observer que la propagation de ce message nerveux à la suite d'une seule excitation va nous permettre d'observer là un potentiel postsynaptique excitateur. Donc, c'est-à-dire c'est une synapse qui est excitatrice, mais qui va se propager en arrivant au niveau du cône axonique. Il a diminué d'amplitude et il n'a pas atteint la valeur seuil, donc il ne peut pas générer un potentiel d'action. Maintenant, on va essayer de porter des stimulations qui sont successives. Par exemple, je peux considérer là deux stimulations successives. Vous voyez que chaque stimulation, elle a donné un potentiel d'action.
D'accord. Maintenant, l'arrivée de ces deux potentiels d'action va engendrer au niveau du neurone postsynaptique un PPS global. Là, la sommation se réalise là, c'est-à-dire les deux PPS s'ajoutent, on dit par sommation donc temporelle, et la propagation de ce PPS, elle arrive au niveau du cône axonique, mais on remarque là aussi qu'elle n'a pas atteint la valeur seuil et par conséquent, elle ne peut pas générer un potentiel d'action. Maintenant, on va essayer de voir que si on va porter trois excitations ou bien quatre excitations, vous voyez là que chaque potentiel d'action résulte d'une stimulation. Donc, on a porté successivement quatre excitations et l'arrivée donc de cette série de potentiels d'action va permettre le fonctionnement de cette synapse qui est excitatrice et on va obtenir là une sommation des quatre PPSE qui va donc se propager, arriver au niveau du cône axonique. On remarque là que, voilà, cette sommation va permettre donc d'obtenir un PPS E global qui a atteint la valeur seuil et par conséquent, il est capable de générer un potentiel d'action, lequel potentiel d'action va se propager le long de l'axone. D'accord ? Donc, je résume que on a vu qu'un même neurone qui reçoit les différentes informations provenant soit des différentes voies par sommation donc spatiale, il va intégrer ces PPS, soit donc par l'excitation successivement de la même voie, donc il va aussi réaliser la sommation temporelle. Mais en même temps, on peut avoir aussi les deux phénomènes, c'est-à-dire simultanément la même voie et simultanément différentes voies et successivement la même voie. Donc c'est une sommation spatio-temporelle. شكرا لك أستاذة يعطيك الصحة على الإجابة إذن هذه مجموعة الإجابات على مجموعة الأسئلة اللي وردت علينا إلى حد الآن ونمر مباشرة للسيدة خولة الجاوي لطرح الأسئلة الموالية. D'autres questions concernant un autre thème, c'est la l'évolution. Donc la première question, quels sont les arguments en faveur de la théorie de l'évolution? La deuxième question, quels sont les mécanismes de l'évolution biologique des espèces? شكرا لك أستاذة يطلع بالإجابة على هذه الأسئلة سعاد للرحوي سي محمد التونسي تفضل أستاذ. Voilà donc concernant l'évolution, une petite définition de l'évolution. La théorie de l'évolution stipule que tous les êtres vivants ont une origine commune et que les différentes espèces actuelles résultent d'une évolution. Quels sont alors les arguments en faveur de l'évolution biologique? Il y a trois arguments. Vous avez étudié l'année dernière les arguments paléontologiques. On étudie cette année les trois arguments, à savoir les arguments d'anatomie comparée, les arguments d'embryologie et puis les arguments de la biologie moléculaire. On va voir premièrement les arguments de l'anatomie comparée. Concernant les arguments de l'anatomie comparée, donc on peut par exemple, on va voir la diapo, on peut par exemple comparer soit les organes des membres antérieurs, les cœurs par exemple, on pourrait par exemple comparer l'estomac et ainsi de suite. Donc si par exemple on prend dans votre manuel, il y a une comparaison des membres antérieurs. Concernant les membres antérieurs, il y a une idée clé qui s'appelle l'homologie. Lorsqu'on parle d'homologie, on parle d'organes qui possèdent les mêmes éléments et que ces éléments ont en commun le même emplacement, c'est-à-dire que vous avez là devant vous, sur la diapositive, des membres antérieurs de différents vertébrés. Vous voyez les couleurs qui montrent qu'il y a les mêmes éléments, à savoir l'humérus, qui a toujours le même emplacement pour tous les vertébrés, le radius et le cubitus, et puis la main. Donc l'homologie veut dire que tous les membres possèdent les mêmes éléments et que ces éléments ont la même disposition. On parle donc d'une homologie entre les organes et cette homologie suggère l'idée d'une évolution et d'une parenté plutôt commune entre les différents vertébrés. Maintenant, si on passe aux différences, on va dire que les membres possèdent, on va revenir un peu à l'embryologie, que les membres ont des fonctions, des formes et des tailles différentes, ce qui suggère l'idée d'une diversité entre les différents vertébrés.
Concernant maintenant les arguments de l'embryologie comparée, on va comparer les différents embryons. Cette comparaison va se faire à deux niveaux. Premièrement, on va voir les ressemblances. Vous avez là devant vous, sur la diapo, il y a des embryons au premier stade de leur développement. Et vous remarquez que tous les embryons possèdent la même morphologie. Un. Deux, ces différents embryons possèdent des fentes branchiales, même pour les vertébrés qui vont avoir une respiration pulmonaire à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a un gène ancestral qui a permis de développer et de faire un développement comparable pour tous les embryons. C'est-à-dire qu'il y a une certaine similitude et une homologie entre les différents embryons. Cette homologie suggère l'idée d'un ancêtre commun d'origine aquatique. Maintenant, si on voit les différences, on va comparer les embryons donc, du stade 1 vers le stade 3. Et vous voyez là que certains embryons ont des formes où les modifications ne sont pas importantes du premier stade jusqu'au stade 3. Il n'y a pas de grandes modifications, ce qui suggère l'idée que ces embryons donc, proviennent de groupes primitifs. Par contre, si on voit par exemple d'autres embryons, comme celui par exemple des mammifères, vous observez qu'à partir du stade 1 et en allant au stade 3, vous observez qu'il y a de grandes modifications morphologiques au niveau du développement embryonnaire. Et cela suggère justement l'idée d'une complexification de l'organisation des organes. Donc vous voyez que la comparaison, et j'insiste là, comparer ça veut dire montrer les ressemblances et puis dégager les différences entre les embryons. Passons maintenant aux arguments de la biologie moléculaire. Concernant la biologie moléculaire, on va justement comparer les différentes molécules. Donc pour la comparaison, on va voir quels sont les points communs qui existent entre ces molécules-là. Vous voyez que sur la diapo, il y a donc des molécules qui ont le même nombre d'acides aminés. Et puis, ces acides aminés occupent le même emplacement pour toutes les molécules. Cette disposition montre ou suppose l'idée qu'il y a une homologie entre ces différentes molécules, à savoir que ces molécules-là proviennent d'un gène ancestral et la présence d'un ancêtre commun pour toutes ces molécules. C'est-à-dire qu'il y a un gène ancestral pour toutes ces molécules. Maintenant, si on voit les différences, vous avez là le tableau. Pour faire la différence, il faudrait prendre les molécules pour les vertébrés 2 à 2. Si on compare, par exemple, deux vertébrés, vous voyez qu'il va y avoir des différences et ces différences traduisent des mutations géniques au niveau des nucléotides de l'ADN. Ces différences vont montrer le degré de parenté des vertébrés. C'est-à-dire que plus le nombre de différences est important, plus l'ancêtre commun est éloigné dans le temps. Quand vous observez là sur la diapo, vous voyez que lorsque les différences sont donc faibles, l'ancêtre commun n'est pas éloigné dans le temps. Par contre, si le nombre de différences est très important, vous voyez que l'ancêtre commun est éloigné dans le temps et par conséquent, on pourrait dresser ce qu'on appelle un arbre phylogénétique pour ces trois vertébrés. شكرا لك أستاذ عادل يعطيك الصحة إذا نمر لمجموعة الأسئلة الموالية مع سيدة هاجر بناء التذكير بالسؤال الثاني تفضل إجابة. On n'a pas répondu, c'est les mécanismes de l'évolution. Bon, Monsieur Rahou vient de parler des arguments qui plaident en faveur de l'existence de cette théorie de l'évolution. Ah, bien sûr, pour parler d'évolution, il faut aussi considérer les mécanismes qui aboutissent à l'évolution des espèces. Alors, ces mécanismes peuvent être résumés en deux grands mécanismes. Tout d'abord, il va y avoir les mutations. Alors, les mutations peuvent être soit chromosomiques, et dans ce cas-là, on a le karyotype chez une espèce de drosophile, qui est Drosophila virilis, qui peut être considérée comme une espèce ancestrale pour toutes les autres espèces de drosophiles. Cette espèce ancestrale, donc, possède 2N égale 12. Alors, suite à des remaniements chromosomiques, c'est-à-dire une fusion ici des chromosomes, alors cette fusion de chromosomes a entraîné la réduction du karyotype de 2N égale 12 à 2N égale 10. Alors, une autre fusion de chromosomes a entraîné une espèce à 2N égale 8. Une autre fusion de chromosomes peut entraîner donc d'autres karyotypes. Et ces espèces qui possèdent donc des karyotypes différents, 2N égale 12, 2N égale 10, 2N égale 8, deviennent interstériles, c'est-à-dire ne peuvent plus se croiser entre elles.
parce que chacune d'elles va produire un nombre de chromosomes différent de l'autre, donc les gamètes ne peuvent plus se rencontrer, et même s'il y a rencontre de gamètes, et même s'il y a fécondation, généralement la descendance de ce croisement est stérile. Alors, deuxième type de mutation, ce sont les mutations géniques. Alors, les mutations géniques, ce sont des mutations qui touchent le gène. Alors, c'est les mutations qui touchent le gène et qui entraînent la modification. Donc, bon, on revient à la mutation chromosomique. Alors, deuxième exemple de mutation chromosomique, vous avez l'amplification génique. Alors là, donc, si je pars, par exemple, pour la chaîne de l'hémoglobine chez les mammifères, elle comprend aujourd'hui, cette chaîne-là, la molécule d'hémoglobine, pardon, comprend quatre chaînes, qui sont les chaînes alpha, bêta, gamma et delta. Par contre, chez les reptiles, cette chaîne-là comprend seulement trois chaînes qui sont alpha, bêta et gamma. Chez les amphibiens, elle comprend seulement deux chaînes qui sont alpha et bêta. Et chez les poissons, elle comprend une seule chaîne alpha. On peut considérer donc le gène ancestral, c'est le gène alpha, qui code pour la molécule, pour la chaîne alpha. Ce gène-là a subi une première duplication suivie de mutations et a donné donc le deux gènes alpha et bêta. Une deuxième duplication a donné un troisième gène, c'est le gène gamma. Et une troisième duplication a donné donc le quatrième gène qui code pour la quatrième chaîne, qui est la chaîne delta. Alors, comment donc les mutations chromosomiques, comment l'amplification génique peut être donc peut expliquer l'évolution? On sait que l'évolution, c'est une complexification des fonctions et des structures. Alors, cette complexification donc nécessite une complexification de l'information génétique, c'est-à-dire une complexification du génome. Là, nous avons un génome formé par un seul gène pour cette molécule-là. Là, nous avons un génome qui est formé par quatre gènes. Alors, cette complexification donc du génome entraîne donc complexification des structures, des molécules et des fonctions. Alors, juste un petit mot sur le deuxième mécanisme de l'évolution, à savoir la sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle qui est un choix opéré par la nature sur les êtres vivants le mieux adapté, sur le phénotype le mieux, sur le phénotype le mieux adapté, donc, c'est-à-dire sur le génotype le mieux adapté à survivre dans un milieu bien déterminé. Alors, lorsque les conditions du milieu changent, les êtres vivants qui sont adaptés à ce milieu-là continuent à exister, les autres, donc, disparaissent. Voilà, on termine, donc, d'une façon précipitée. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Toute l'équipe vous souhaite une bonne révision et un bon courage et à bientôt. شكرا لك سي محمد يعطيك الصحه سي محمد التونسي استاذ كان معنا شكرا لك سيده فاتن بسباس مسمودي شكرا لك سي عادل الرحوي والاستاذه سندس الشاوش وايضا شكر خاص للاساتذه السيده خوله الجاوي والسيده هاجر بن عياد وشكر خاص للسيده علي تريعه متفقد المدارس الاعداديه والمعاهد والاستاذ سامي ربح شكرا لكم انتم اللي تابعتونا حظ موفق لتلاميذ البكالوريا والى اللقاء